Bonjour à tous les amis, c'est Steven de PM, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien les amis, on est sur Baldi's Basics Chaos Edition 2. Alors je sais pas ce que vous rappelez ce jeu, j'avais joué à Baldi's Basics Chaos Edition 2. Le 1 pardon. Et puis je me rappelle, il y avait un grand endroit, les couleurs sont été grands, il y avait un porte-à-mur qui me suit, je me rappelle pas trop le jeu. Si vous n'avez pas vu le Chaos Edition, regardez là, il est toujours dans la chaîne. On est sur le 2. Alors, collecter les 10 livres. Ok, c'est toujours le même truc. Alors, déjà, le bouton, c'est orange. C'est parti. Ok. Ah ouais, ça y est, ça commence. Ah ouais. Genre, comment vous dire que le jeu, il était super dur et le mec, il dit, ah bah, tu sais quoi, j'ai décidé d'embêter Steven de PM, voilà. Allez. Oh. Ok. Franchement... Ok, waouh. Déjà, la map, elle est différente. Il y a beaucoup de fenêtres. Waouh. On est dans la mer. Oh, on dirait le Grand Canary. Ah, oh, le Grand Canary, ça nous a manqué. Hein. Oh, waouh. Calmez-vous, laissez-moi commencer, mec. Mec, ça fait genre 1 milliard d'heures que j'ai même pas joué à des jeux qui sont anciens. Voilà. Et laissez-moi un petit peu respirer. Juste pour rappeler le jeu, tu vois. Alors. Il a même pas vu le genre. Alors. Je sais pas ce que c'est, mais bon. 4. Attends, il y avait le 3 quelque part. Normalement, il n'y a pas un 3 quelque part. Ok. Alors. Ok, celui-là, il ressemble à l'autre, là. Je sais pas ce qui est. C'est tout après. Alors, je sais pas ce qu'il y avoir un deuxième étage ou autre chose ou... Oh. Ouais. Non. Oh non, pas le vindicateur, non. Non, sérieux, pas lui. Tout sauf lui. Non, non, rentre pas. Purée. Le vindicateur, c'est le pire ennemi. Oh, mais voilà, c'est... Oh là, je me suis fait mal, par contre. Je me suis fait mal à la main. Oh là là. Ok. En même temps, pourquoi vous abusez à mettre 1 milliard de monstres, mec? Regarde ça, boum, zombie par ici. Voilà. Voilà, pour nous embêter, voilà. Allez. Mais, oh, purée! Mais allez, arrêtez de me tuer, là, franchement, si vous me tuez... Ça m'énerve, ça prend la vidéo très stupide, voilà. Allez, est-ce qu'il y a un 3 quelque part? Où est-ce qu'il est le 3, mec? En plus, pourquoi le jeu bug, mec? Voilà, ça commence. 7. Mais arrête de me fermer déjà, sinon ça va me péter le nez, voilà. Me casser le nez. Hop là, ok. Je suis désolé, je parle pas très fort parce que je... Qu'est-ce que c'est? What? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Il y a un deuxième étage? Je pense que oui, il y a un deuxième étage. Comment je peux faire ça? Oh. Oh non, il y a Principal qui peut me mettre en détention. 5. Mais 5? Mais où est-ce qu'il est le deuxième? Oh, c'est un deuxième étage. Où est-ce qu'il est l'autre étage? 8. Waouh, qu'est-ce que c'est? Une salle de tennis? What? Depuis quand il y a une salle de tennis dans Baldi's Basics? C'est quoi ça? C'est combien? Ah, c'est 9, ok. Waouh, ok, cette map elle est grande aussi. Franchement, il y a beaucoup de jeux de Baldi's Basics que j'ai joué, ils sont toujours aussi bien. Même les autres qui sont un peu nuls des fois parce qu'ils sont... Oui, quand même. Non, il m'a pas vu, ça va. S'il m'a vu, j'ai répété un câble. Hein. Ok. Oh là là. Oui. Ok. Mais par contre, je veux savoir où est-ce qu'il est le troisième. Parce que c'est le but d'avoir tous les livres. Ok, qu'est-ce que c'est? Wow, mais c'est quoi cette map immense là? Hé hey. Oh. Est-ce qu'il y a un 3 là, quelque part dans le gym? Il y en a pas. Mais décidément, on est dans une terrible commencement là. Ok, 4, mec. Mais 4, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un 3 là? Ah, voilà, enfin! Oh, je croyais que le 3 il était disparu, t'imagines?
Ça aurait été complètement... Sinon, on pourrait même pas battre le jeu, hein. Franchement. Voilà. Oh là là, il a fait un l'envers, le petit coquin, là. Il a fait un l'envers. Normalement, il y avait le 4... Non, le 3 ici, le 4 ici, mais là, il a renversé. Il a changé de place. C'est... Il est vraiment un coquin, lui. Alors... Je sais pas si c'est une fille ou un garçon qui a créé ce jeu. Mais bon, voilà. Très bon jeu. Alors, 6, ok. Par contre, si les portes me ferment toujours... Franchement, le mec, il a réussi sans que les portes, il ferme la porte. Franchement, t'es le boss, hein, franchement. Alors, le 5. Par contre, on peut sauter. Dans les autres jeux Baldi, on pouvait pas sauter. Ouais, ça, c'est super cool. Voilà. Finalement, sauter, c'est mieux que sans sauter. Hein. Bon, c'est vrai qu'on peut pas sauter et qu'on peut courir super vite. C'était impressionnant. Franchement, je pense qu'il y a... Non mais, arrêtez de me faire... Non mais c'est... À chaque fois que je vais aller dans un endroit que je veux, il veut rentrer, quoi. Non mais sérieux, mais laissez-moi tranquille, mec. Laisse-moi jouer bien, quoi. Oh là là, purée, ce monstre me devient fou. J'espère que... Le indicateur, il est où? Je le surveille. Je pense qu'il est plus là. Il est parti. Ouais, il est parti. Parce que le indicateur, c'est mon pire ennemi. Bon, le pire ennemi, c'est aussi le porte-armure, hein, parce que tu te rappelles dans le Special Fix, il m'a fait rager. Mais bon, j'ai mis un porte-armure aussi. Si vous avez pas remarqué, ben j'ai fait un tutoriel avec le porte-armure, comment il fonctionne, voilà. Je sais pas ce que le porte-armure... Je suis sûr que le porte-armure, il est là. S'il est pas là, peut-être ça veut dire que sinon c'est un ancien jeu. Parce que avant les gens ils savaient pas comment faire les porte-armures dans les quand il fait des jeux Baldi's Basics dans Minecraft. Là il fait combien de minutes? 7 déjà, purée. Ça fait des monstres là qui m'ont défoncé. C'est quoi ça? Oh, X soda. Mais c'est pas des sodas, c'est de la viande. Mais pourquoi le jeu lui-même me troll? Sérieux, mais c'est plus Baldi's Basics, hein, c'est Troll Basics ou Trolling Basics ou je sais quoi. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la salle qu'on a vue avant. Dans la cafétéria, on avait vu une map comme ça. Ouais, on a vu les deuxième étage, quoi. Non, mais tu dois escarper, moi, l'instant. On était toujours ces trucs que tu dois échapper, nanani. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh okay, désolé, il y avait le son là, j'avais. Ok. Alors, désolé. Purée! Attends. Voilà, c'est bon. Parce que j'avais regardé une vidéo sans rec, hein. Désolé, mais bon, voilà. Parce que j'étais un peu ennuyé. Allez. Où est-ce qu'il est le deuxième? Alors, attends. Ok. Et si vous connaissez pas, c'était Rapper Reps. C'est le mec qui fait que du Baldi's Basics. Mais le vrai Baldi, pas le. Oula, il y a les 4 sorties là. Les 4 sorties, ça sent les 4 sorties. Hein. Où est-ce qu'il est Alors, le premier. Ok. Porte-armure. Est-ce qu'il y a le porte-armure dans ce jeu? Normalement, oui. Dans tous les jeux. Attends. Ok. Ouais, il y a définitivement les 4 sorties. Allez. Attends, je mange toujours le steak parce que je mange trop. Là, il y aura un indicateur. Ah, non, peut-être pas. Peut-être pas. Ok. Ok, c'est peut-être. Wow, regardez ça. La mer. Ah. C'est la première fois que je vois un jeu Baldi avec deux mots comme ça. J'ai jamais vu ça. Normalement, je vois le vide là. Allez. Et voilà. Famille. J'avais fini ce jeu. Désolé pour le foot. Et ben voilà, les amis. C'était Baldi's Basics Chaos Edition 2. Franchement, il était cool celui-là. Il était original. Waouh, la map. Il est joli, hein. Waouh. Très joli. Avec. Waouh, avec la l'eau là, c'est tellement stylé. Oh. Oh, ça me rappelle les Grand Canary. Regarde ça. Ça, c'est Baldi's Basics Grand Canary Edition. Voilà, c'est ça le nom du jeu. Regarde ça. Bon, c'est toujours la même map, hein. Et... Sauf qu'il y a des couleurs différentes. Et il y a un deuxième étage qui est super stylé avec un pont de tennis. Voilà. Franchement, les fenêtres, il n'y avait pas le porte-armure. Soit il n'était pas là, ou soit j'avais même pas vu.
Il doit être normalement là ou... Je pense pas qu'il est là parce que je vois pas une commande où il y a les répétitions et tout, voilà. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne si t'estimes ne pas aimer. La note, je vais mettre un 9 sur 10. Il était super cool avec la mer là. C'était original. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ah oui, et je... C'est un peu bizarre, je suis un peu buggé ma tête. Ah oui, et vous savez que les amis, que... Désolé, on a une PlayStation, voilà, on a une PlayStation, et on peut jouer à TXT. Avec TXT, TXT, il a aussi une manette, voilà, pour aller jouer avec moi. Et ben, si vous voulez que je fasse une vidéo dans la Play, ben, on va tester, et si ça marche, ben, on la met dans la vidéo. Je sais pas si on peut mettre des montages, mais bon, bref. Je vous dis à très bientôt les amis. On va se mettre en aventure les gars. Oh wow!